À la une ce soir, routes inondées, rivières ont crues après le passage d'une onde tropicale sur la Martinique la nuit dernière et en début de matinée. Fin de la vigilance jaune annoncée ce midi par Météo France. Nous ferons le point sur les quelques dégâts constatés à Rivière Pilote et Fort-de-France. Une météo pluvieuse et inquiétante pour les agriculteurs en 2017. 8% de récolte en moins pour les planteurs de canne. Et cela ne risque pas de s'arranger en 2018. Reportage sur une plantation à Trinité dans ce journal. Syndicats, collectifs et élus locaux assemblée pour réclamer la rénovation de l'hôpital Louis Domergue de Trinité. Après une opération escargot, une délégation a été reçue par le directeur régional de l'agence de santé. Et puis Marcel Ravenet, fondateur de la Perfecta, décédé en 2010, honoré hier soir à Trinité à l'occasion d'un concert organisé dans le cadre de la fête de la musique. Les images à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est surtout le sud de la Martinique qui a été touché par les fortes pluies et orages d'hier soir. Ce matin, la sirène a retenti au bourg de Rivière-Pilote. Les habitants ont été finalement épargnés par la montée des eaux. À Fort-de-France, c'est un mur qui s'est effondré au quartier Trinel, fort heureusement, sans faire de victimes. Le reportage de Loïc Régis. Un mur effondré et ce sont tous les habitants de la rue Paul Césaire qui sont bloqués. Vers 5h30 ce matin, ils ont été réveillés par un bruit sourd. Le moment qu'ils redoutaient tous s'est bien produit. Dans sa coulée, la terre a emporté avec elle le petit passage en béton. J'ai entendu un grand bruit, je me suis réveillée, je dis ça c'est le mur, parce que je sais le mur était fissuré. J'ai vu le maire, j'ai vu M. Letchimi, ils sont venus pendant plusieurs heures, même le conseiller du quartier. J'ai aidé à signaler, depuis 2012 je signale ce mur qui est en train de se fissurer et qui allait tomber. Qu'est-ce qu'on m'a dit au départ? Ah, le mur ne va pas tomber, la mairie n'a pas d'argent. Voilà ce qu'on me disait au départ. Certainement, on paye tout au travail et du coup, l'infirmière qui porte soin à la voisine n'a pas pu intervenir non plus. Les services municipaux réalisent une passerelle provisoire pour désenclaver une dizaine de familles. Lundi, en fonction de la météo, de nouveaux travaux sont envisagés. À Rivière-Pilote, très tôt ce matin, les sirènes d'alarme ont retenti. Une décision prise par le maire. La montée des eaux, un temps menaçante, n'a finalement pas inquiété les riverains. Une pluie quand même assez agressive. J'ai actionné la sirène simplement, nous sommes vendredi aujourd'hui, faire en sorte qu'il n'y ait pas, que les gens soient alertés en cas de forte pluie, parce qu'effectivement ça commence déjà à descendre. Et nous savons que c'est pratiquement, nous sommes quand même à confluent les deux rivières, la grande rivière Pilote et la petite rivière Pilote. Donc nous avons quand même voulu alerter les gens pour qu'il n'y ait pas de surprise. Une mesure de précaution qui n'inquiète pas vraiment les pilotins, comme habitués par ce type de situation. Ben, ma réaction, comme j'habite tout près du cimetière et tout près de la petite rivière, donc c'est de mettre tout ce que je possède hors d'eau, ainsi que mon foyer, mes enfants. Ils savent qu'ils ne font pas sortir, mais après il y a qui sortent pour le macrelage, comme on dit entre parenthèses, et puis voilà. Mais ils savent que le bout, il ne faut pas passer, ça prend des voitures, ça donne des problèmes, quoi. Autre conséquence des fortes précipitations, la RN5 au niveau de Petit-Bourg a longtemps été bloquée, ce qui a provoqué d'importants embouteillages. Et hasard du calendrier, les services de l'État tenaient une réunion de préparation à la saison cyclonique. Selon le préfet, tout le monde est prêt. Du matériel supplémentaire a été mis à disposition des services de secours. Les autorités qui souhaitent tirer des leçons du passage des ouragans Irma et Maria en 2017. Écoutez. On a essayé d'améliorer notamment le prépositionnement. Alors, prépositionnement de personnel, on a une mission d'appui de la sécurité civile qui a été envoyée notamment à Saint-Martin. Et ces gens qui sont basés là seront chargés de coordonner et d'accroître l'efficacité des secours en cas de passage d'un cyclone. Et puis, on a vraiment considérablement augmenté les moyens matériels qui sont prépositionnés. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle la réserve nationale en Martinique et en Guadeloupe. Et on a par exemple une quarantaine de tronçonneuses, on a une bonne dizaine pour ce qui concerne la Martinique de groupes électrogènes, on a 750 lits picots, je pourrais continuer la liste comme ça. Et le nombre de ce matériel a été augmenté pour tenir compte des besoins que nous avons vécu l'année dernière. Les statistiques, c'est la durée de retour des ouragans sur la Martinique, c'est 15 ans. D'accord ? On n'en a pas eu depuis longtemps, mais tous les ans, on a entre 6 et 7% de risque d'en avoir un. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, si les instituts américains, anglais, français disent qu'il y aura 10, 12, 14 cyclones, ce n'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Bon, on prévoit une année qui va être particulièrement active. Certes, parce qu'il y a un petit El Niño, parce que l'océan est un petit peu plus frais, ok.
L'année dernière, je vous rappelle qu'on avait prévu, tous les instituts avaient prévu une année légèrement supérieure à la normale. Vous avez vu ce qui s'est passé en septembre. Donc, préparez-vous, informez-vous, comme si un ouragan allait nous menacer sérieusement cette année. 2018, une année d'ores et déjà bien arrosée, des sols détrempés et des agriculteurs à la peine, notamment les planteurs de canne. Après une récolte en baisse de 8% la saison dernière, ils ne s'attendent pas à une amélioration. Rencontre avec l'un d'entre eux avec ce reportage réalisé par Johan Boulard. Ah ouais, la mauvaise, tout bonnement là. C'est ça. Difficile constat ce matin pour ces petits planteurs. Regardez ta plantation, hein. Les intempéries d'hier soir ajoutent encore à la difficulté d'exploitation du site. Les machines ne peuvent y accéder. Des pertes sèches dont ces agriculteurs auront du mal à se remettre. La qualité de la canne et donc sa richesse en sucre étant elle aussi soumise à la clémence de Dame Nature. Pour nous attraper en richesse, pour nous attraper en l'emmener, en les poids quand on a même pas qu'à déchirer. De la semaine prochaine, parce que la prière ne peut pas ramasser, je dis avant de dire. Donc, pour ça, je peux ramasser. Et si la pluie tombe pendant le week-end, par fin de la semaine prochaine, la pluie ne peut pas ramasser. Et là, on est obligé de couper tout. Obligé de couper tout pour varier. Ces rentes aléatoires expliqueraient peut-être le recul d'une profession passée d'une centaine à une trentaine de planteurs en 10 ans. En 2017, l'INSEE enregistre une chute de la production de 8%. Principale cause, Irma et Maria. Si l'on a passé, il rachait quand on a, il couchait quand on a, ou peut tout ça, et finalement, il se voit dès qu'on est, il ne voit pas vie élevée. Et bien, c'est ça qui a fait ça. Une baisse de la production qui s'inscrit dans un schéma plus large. L'ensemble des productions agricoles sont mises à mal avec une chute de près de 30%. Il faut absolument qu'on puisse maintenir ces productions et ne pas continuer à voir disparaître notre agriculture petit à petit. Et donc je crois qu'il faut qu'au contraire, que non seulement nous soyons accompagnés sous les aides européennes, donc le POSEI, mais également que l'État français abonde ces fonds qui ne sont pas suffisants pour pouvoir continuer à travailler. C'est d'ailleurs, ça a fait l'objet d'ailleurs d'une demande auprès du ministère de l'Agriculture. Pas sûr que cette demande soit entendue, puisque les fonds européens destinés à la Martinique risquent de baisser de plusieurs millions d'euros. Et vous venez de l'entendre, les agriculteurs qui devront faire face à une baisse des fonds européens, la Commission s'apprêterait à diminuer de 4% les dotations du POSEI dédiées aux ultramarins, ce qui représente environ 1,5 million d'euros. Pour la Martinique, c'est l'une des conséquences de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et pour le président de la Chambre d'agriculture de Martinique, cette décision pourrait provoquer la destruction d'emplois. Écoutez. Si on nous enlève la compensation des surcoûts, puisqu'on est quand même des insulaires, il y a des coûts supplémentaires que les États membres nationaux ne supportent pas. Donc, il est normal que la Commission européenne revoie sa position. Ce serait une grosse difficulté. Et nous allons évidemment travailler à voir comment on peut éventuellement surmonter ça, mais d'ores et déjà, on a déjà fait des ébauches de calcul, c'est une catastrophe qui est annoncée. Ces fonds permettent aujourd'hui aux distilleries d'investir, par exemple. Donc nous avons une somme qui nous permet effectivement d'investir dans les machines, dans le matériel, d'investir dans l'innovation, d'investir pour aller conquérir des marchés à l'export. Donc c'est vraiment une démarche qui permet aux entreprises à la fois de se structurer, mais aussi de se développer. Ça équivaut à une perte pour l'ensemble d'outre-mer de 11 millions d'euros et une perte pour la Martinique spécifiquement de 4,6 millions d'euros. Ce qui est pour nous inacceptable compte tenu de la situation de nos territoires avec un taux de chômage élevé. Et aujourd'hui, alors que nos filières agricoles sont engagées dans une démarche de préservation de l'emploi, une démarche de développement économique et singulièrement pour le Rhum,
tournée vers l'export, notamment avec le spiritourisme, nous ne pouvons pas effectivement aujourd'hui admettre que les fonds POSEI soient amenés à baisser. L'actualité sociale avec ces bouchons provoqués par un convoi entre le Lamentin et Fort-de-France. Il s'agissait d'une action menée par un intersyndical et notamment menée également par des maires pour la défense du système de santé. Ce matin, ils ont participé à une opération Molokoï pour demander à l'Agence régionale de santé la rénovation de l'hôpital Louis Domergue de Trinité. Voyez précision de Cathy Milascopette et de Michel François. Aujourd'hui, il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de légumes à l'hôpital, parce qu'on n'est pas capable de se fournir. Une fois de plus, les blouses blanches battent le pavé pour alerter sur la situation de la santé publique en Martinique. Au cœur des revendications aujourd'hui, l'avenir de l'hôpital de Trinité. Nous travaillons dans des situations difficiles, de l'eau coule partout, ça ne va pas, on ne nous écoute pas. Et là, on a décidé d'être dans la rue. Aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on parle, au moment où est-ce qu'il y a une onde tropicale sur la Martinique, il y a des bâtiments hospitaliers qui sont en train de prendre l'eau parce que l'étanchéité n'a pas été refaite, parce qu'on nous laisse dans ces situations-là. Nous sommes des professionnels, nous mettons des seaux d'eau, nous utilisons des serpillères pour enlever l'eau. Direction l'ARS, sur le parvis, plusieurs maires du Nord sont là, avec comme un air déjà de campagne électorale. La santé n'a pas d'appartenance. Qui ou député, qui ou sénateur, qui est président de la République, qui est maire, qui est élu tout court, eh bien, vous êtes un patient potentiel. Et vous êtes un patient qui a ignoré quand il y a des fois. Donc, si pas de l'hôpital, nous tchou-tchou. Pour la commune du Marigot, nous avons des difficultés à chaque fois, n'est-ce pas, qu'il y a soit un décès, il faut beaucoup de temps pour que le corps médical puisse intervenir, quand il y a des malades, quand il y a aussi de la souffrance, surtout en ce moment pour les problèmes de sargasses. En fin de matinée, une délégation est reçue par le directeur de l'ARS. Parmi les sujets abordés, la reconstruction de l'hôpital. La ville de Trinité a mis à disposition un terrain depuis 2002. Le projet avait été acté par les instances nationales, en même temps que la construction du nouveau plateau technique du CHUM. Ce dernier a bien vu le jour. En revanche, le nouvel hôpital de Trinité ne semble pas prêt de sortir de terre. Il y a énormément de zones d'ombre pour que cet établissement voit le jour. Et c'est pour cela que les camarades de Trinité sont déterminés pour continuer ce combat-là, parce qu'il n'y a aucune réponse qui a été apportée concernant la reconstruction de cet établissement. Pour l'ARS, pas de reconstruction possible sans l'élaboration d'un projet clair. Cette reconstruction, elle va suivre un projet qui sera élaboré selon une méthode qui a été présentée aux équipes de l'hôpital par la direction générale du CHUM. Une méthode basée sur la concertation et sur des propositions médicales qui viendront des pôles d'activité et qui seront traitées dans des groupes de travail et dans un comité de synthèse auxquels participeront des représentants des usagers et des représentants des élus. En attendant, les autorités sanitaires se sont engagées à investir 2 millions d'euros par an pendant 3 ans pour des travaux de remise aux normes de l'établissement. Pas de quoi apaiser la colère des syndicats. Là, sur ce reportage, sur cette manifestation ce matin, une manifestation organisée notamment par un collectif de syndicats de l'hôpital Louis Domergue de Trinité. À Paris, les obsèques de Jean-Michel Hégésip, ancien PDG du groupe ATV, de SFR Caraïbes et fondateur d'Outre-mer Télécom, l'homme d'affaires a été inhumé au cimetière du Montparnasse après une messe célébrée à l'église Saint-Philippe du Roule. Écoutez ces réactions recueillies par notre correspondant à Paris. Jean-Michel Hégésip a été un révélateur de talent. Et pour cela, il nous a appris à relever des défis absolument incroyables. Pour lui, rien n'était impossible. Derrière une forme des fois abrupte, il avait un très grand cœur et il était très généreux. Et je pense que pour nos territoires d'outre-mer, ce qui va rester, c'est l'avancée énorme qu'il a fait au niveau de l'économie, puisqu'il a créé le groupe Outre-mer Télécom qui est devenu aujourd'hui SFR Caraïbes. Et puis c'est son enthousiasme et sa détermination.
C'est l'heure de retrouver notre invité ce soir, Vincent Tillier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes merci professeur de yoga. Oui. Et vous allez notamment organiser la journée du yoga en Martinique. Alors cette journée mondiale du yoga, c'est jeudi, c'était oui, jeudi normalement, mais vous allez donc participer à proposer une journée mondiale du yoga dimanche pour l'ensemble des Martiniquais. Oui. Avant de revenir sur le programme de cette journée, d'abord, est-ce qu'on peut présenter le yoga? C'est vrai que c'est une pratique très connue, médiatisée depuis quelques années, mais à quoi ça sert exactement? Le yoga, c'est une discipline philosophique au départ, donc qui est née en Inde il y a à peu près 5000 ans, et qui aujourd'hui nous touche particulièrement parce qu'elle nous apprend finalement à gérer un petit peu mieux nos émotions, à gérer un peu mieux nos difficultés dans la vie de tous les jours. Et il est important effectivement de parler du message de la Journée mondiale du yoga parce que c'était vraiment un message pour améliorer la santé de l'être humain d'une façon générale. Et c'est un message également de promotion de la paix. Au départ, la Journée mondiale du yoga, elle naît d'un discours du Premier ministre indien en décembre 2014 à l'Assemblée de l'ONU et qui décrète officiellement la Journée mondiale du yoga le 21 juin de chaque année. Et donc, il y a 2 ans de cela, une première manifestation s'est déroulée à l'habitation de Paz sous l'égide de la mairie de Saint-Pierre, de l'ambassade de l'Inde en France. J'ai été amené à conduire cet enseignement et donc 2 ans après, avec des partenaires comme Champflore, le Crédit Agricole, voilà, Yoga Santé Martinique et la mairie de Saint-Pierre, ben, on reconduit la manifestation. Le but étant donc de promouvoir le yoga, qui est cette discipline basée sur l'accomplissement de soi, l'harmonie de soi-même et l'harmonie avec les autres. Le yoga, c'est par définition l'union entre le corps, le mental et l'âme. Donc dans le yoga, il y a ce mot union, unir les êtres humains entre eux, voilà. Alors, il n'y a pas, comme on dit, de fédération de yoga qui rassemble l'ensemble des pratiquants. Comment, justement, cette discipline est vécue en Martinique? On le fait en groupe, il faut un professeur, comment ça se passe? Alors, elle est pratiquée et enseignée en Martinique de la même façon qu'ailleurs. Hein. Quand moi, j'ai découvert le yoga en 1999, je suis allé rejoindre un professeur qui faisait des cours à Schœlcher, et intéressé et très, oui, de plus en plus intéressé, je me suis donc intéressé aux formations de professeurs et petit à petit, donc j'ai été amené à participer donc à des formations de professeurs en métropole, en Inde, et aujourd'hui, nous sommes de nombreux professeurs en Martinique à enseigner le yoga. On ne devient pas professeur de yoga du jour au lendemain. Il faut suivre une formation. Ces formations sont même si elles ne font pas partie de fédérations, ce sont la plupart du temps des formations sérieuses qui permettent un petit peu d'amener les gens à pratiquer le yoga. Et aujourd'hui, quand les gens viennent à vous pour faire du yoga, ils viennent souvent avec des problèmes de santé, donc il faut avoir cette capacité à les accueillir. Alors, les yogis, ce sont les adeptes, les pratiquants de yoga. Vous leur donnez rendez-vous donc notamment dimanche pour cette journée. Mm-hmm. Qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver entre 9h et 17h? Alors, première chose importante, que les pratiquants de yoga qui viendront ce dimanche viennent avec leurs tapis, parce qu'on va avoir des tapis, mais peut-être pas suffisamment en nombre pour proposer un tapis à tout le monde. Donc, venez avec vos tapis. Ensuite, donc, ce sont des cours de yoga qui sont ouverts aux adultes. Des cours de yoga ouverts aux enfants, des cours de yoga ouverts aux seniors. Seront présentées également des conférences sur le yoga, la santé, l'alimentation. Seront présentés également des films sur justement le yoga et la santé. Et seront présentées également des démonstrations de yoga. Donc on va un petit peu parler des différentes formes de yoga qui peuvent être ici enseignées en Martinique. Rendez-vous donc à l'habitation de Paz ce dimanche à partir de 9h. Donc voilà. Venez nombreux. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer cette journée mondiale du yoga. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de votre journal. Nous irons en Guyane, la Coupe du Monde, et la communauté brésilienne a célébré la victoire de la Seleção face au Costa Rica. Les images dans quelques instants. Et puis, nous ferons un point notamment sur le programme de vos différents rendez-vous sportifs. Vous le voyez, il y aura de la voile attendue notamment ce week-end en Martinique. Les rues de Cayenne aux couleurs du Brésil et animées par les chants de joie des supporters de la Seleção. Ambiance vécue ce matin en Guyane après la victoire sur le fil du rasoir 2-0 contre le Costa Rica. Les images de nos confrères d'ATV Guyane.
Pour le Brésil, mais il a assuré à la fin. Mais bon, tu sais, pour gagner un bon match, il faut que ce soit difficile. Sinon, il n'y a pas la joie. Vous allez voir là, avec tout ce monde là, avec toutes ces personnes. Je pense qu'ils ont le cœur avec le Brésil. Tout le monde avec le Brésil. Grâce à Dieu et grâce au Brésil qu'on est là. Voilà pour cette joie presque démesurée des supporters brésiliens. Rappelons que le Brésil n'est pas encore qualifié pour la suite de la compétition. On va justement faire le point avec trois matchs à l'affiche ce vendredi. Victoire donc du Brésil 2-0 face au Costa Rica. La Suisse, vainqueur de la Serbie 2-1. Résultat, le Brésil prend la tête du groupe E. Devant la Serbie, le Costa Rica est déjà éliminé. Et puis le Nigeria a vaincu l'Islande 2-0, ce qui laisse espérer une qualification notamment pour l'Argentine. On regarde le classement du groupe D avec la Croatie avec 6 points, le Nigeria 3 points et l'Islande avec 1 point. Et puis on va justement faire le point sur l'actualité sportive de ce week-end avec l'agenda sport signé Karel Chassol. En cyclisme féminin, le 5e Grand Prix qui a débuté ce soir par le prologue sur la piste cyclable de Ducos se poursuivra pendant tout le week-end. La première étape partira demain 10h du Saint-Esprit et dimanche, deux tronçons sont au menu, au François et au Robert. Cyclisme féminin toujours, la 8e édition de la Ferrocienne aura lieu dimanche, départ 7h du Robert. Cette année, nous aurons un nouveau parcours, surtout sur le parcours des confirmés. Puisque bon, on essaie d'innover à chaque fois. Par contre, on reste sur le même parcours que l'année dernière pour les débutantes, dans la mesure où c'est un parcours qui est vraiment adapté aux débutantes pour qu'elles découvrent toutes les facettes du VTT. Nos golfeurs seront réunis ce dimanche à l'occasion d'une compétition pour la Ligue contre le cancer. Début de la compétition 8h au golf des Trois-Îlets. L'Open de Beach Tennis aura lieu dimanche à partir de 8h de la plage des Résignés à Trinité. Au menu 3 contre 3 mixtes et 2 contre 2 masculins et féminins. En natation, la piscine communautaire de la CACEM servira de cadre pendant tout le week-end à l'épilogue du championnat de la Martinique bassin de 50 mètres. Début de la compétition demain, 9h. De la piscine, on passe au plan d'eau de Sainte-Anne. C'est là que se déroulera dimanche la 8e journée du championnat des Yolrondes. Au menu, 3 courses, dont la première partira de la Pointe-Marin à partir de 10h. La culture maintenant est retour sur la fête de la musique. C'était hier et c'est hommage rendu à l'un des fondateurs de la Perfecta, Marcel Ravenet. Il est décédé en décembre 2010. Il a été honoré par les membres du groupe Tequila hier soir à Trinité, accompagné de leurs invités. Vous voyez l'ambiance, signée Michel François. Marcel, Marcel, pour moi la joie de vivre. Marcel.
Voilà pour cet hommage magnifique, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et votre JT des communes ce soir, retour à la SPA de Martinique aux Lamantins. Rappelez-vous, en novembre 2017, l'association faisait appel à la générosité des Martiniquais pour s'agrandir et accueillir de plus en plus d'amis à quatre pattes. Vous voyez ce reportage qui a été réalisé par Hubert Bornil et Michelet François. Je vous présente Pollux, c'est le nouvel ami que je me suis décoté à la SPA. La SPA qui accueille quelques chiens en ce moment. Alors c'est vrai qu'il y a les chiens, mais aujourd'hui il faut nécessairement que l'établissement dispose d'une partie chatterie. Alors là, on fait appel aux généreux donateurs. Bayou Antiforce, Pouyopé, mettez ces chats là bien. La prolifération de chats, un phénomène préoccupant pour les responsables du pôle animalier. C'est un travail difficile. Non, c'est juste une question d'amour. Dès qu'on les aime, tout va bien. Après, c'est l'habitude. On est déjà habitué, ils nous connaissent déjà. Pas de problème. Parfois, ils sont malades aussi. Oui, parfois, ils sont malades. Ouais. Ça arrive souvent. Comme c'est monsieur, tout le monde qui apporte, enfin, le chat traîne dans la rue comme ça, il attrape des maladies. Quand il arrive ici, on voit tout de suite s'il est malade ou pas. De nombreux chats sont conduits dans la structure, mais ce n'est pas toujours le cas. Il en reste encore énormément à vivre à l'état sauvage et les dégâts causés par ces petits animaux de compagnie sont nombreux. Ici, l'on recense environ une adoption par jour. Ce couple est venu voir s'il peut repartir avec un petit chat. On regarde juste pour le moment, et puis on prend des renseignements, et puis après on verra. Voilà. Est-ce que tu sais déjà quel genre de chat tu veux ? Est-ce que tu as une idée précise ? Dans cette couleur-là, ça serait bien. Pour les mettre à l'adoption, il faut que ce soit des animaux de 9 semaines. Avant, on ne peut pas identifier et ils sont mis à l'adoption donc en 9 semaines. En ce moment, il y a à peine une vingtaine de chats en hébergement dans la structure, mais il arrive qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Le nombre de chats déposés par des gens qui ne souhaitent plus garder leur animal a considérablement augmenté ces dernières années. Et aujourd'hui, il faut que nous adaptions notre refuge à cette nouvelle donne. La SPA espère sensibiliser la population et du coup lance un appel aux dons pour pouvoir construire un espace de meilleure qualité pour les chats.
Les personnes qui veulent bien nous aider peuvent aller sur notre site internet spamartinique.fr ou notre page Facebook et ils ont accès directement à une plateforme qui collecte des financements participatifs. Et ils reçoivent tout de suite une attestation fiscale, comme ça c'est déduit des impôts, c'est très simple. On espère que cet appel sera entendu. Allez, on va laisser Jimmy au travail. C'est beaucoup de travail, vous le voyez. Et tout ce qu'on peut dire, essayez de choyer vos animaux, pas abandonner ces animaux-là. Et puis surtout, là, pour la construction de la chatterie, on a besoin de vos dons. Voilà, restez avec nous dans quelques instants. La suite de votre tranche info, votre rendez-vous présenté par Régine Germaine et Antje Péa. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.